venus en grand nombre et dans une ambiance festive. Le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Dieu de Ngodibakoko a accueilli l'archevêque de Douala en visite pastorale le dimanche 15 septembre 2024. S'inspirant de l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire, Son Excellence Monseigneur Samuel Cléda a exhorté les chrétiens à accorder la place de choix à Dieu. S'ils ont entendu la voix de Jésus-Christ, ils doivent maintenant aller à rencontrer Jésus-Christ, à placer leur confiance en Jésus-Christ. Lui seul, le Christ qui nous appelle, il veille sur nous. C'est un problème de foi. Vous voyez, les apôtres eux-mêmes ont été tentés quand tout devenait difficile. La parole même du Christ a accepté quand il se présentait comme pain de vie. Mais les apôtres étaient là et même les autres, n'est-ce pas, les apôtres étaient toujours là. Quand on dit, le Christ pose la question, est-ce que vous voulez partir vous aussi? Il répond, Pierre répond au nom de tous, à qui irons-nous plus à les paroles de la vie éternelle? Pour nous, nous devons professer notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, l'envoyé pour accomplir le dessein de Dieu, c'est-à-dire nous sauver. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Voilà, donc nous n'avons pas à aller chercher ailleurs, à aller chercher à ceci ou cela. Une interpellation qui a rencontré la joie du nouveau curé, le missionnaire Zavérien. C'est ma première célébration dominicale dans la paroisse Jésus, Saint-Jude, apôtre de Ngodibakoko. Mon sentiment est celui-là de joie, sentiment de reconnaissance. Voilà, envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Et je dis un grand merci à tous les confrères qui m'ont précédé ici, en particulier au curé sortant, le père Raphaël Koa. Je dis merci au supérieur régional qui nous a honoré aussi par sa présence. Je dis merci en particulier et de mode voilà, plus significatif à tout le peuple de Dieu. Une vision qui rejoint les projets en vue dans la paroisse Saint-Dieu de Ngodibakoko. Tel que vous voyez là, ça c'est l'espace prévu pour l'espace multisport pour les jeunes. Nous allons faire un terrain multisport pour les jeunes et nous avons l'intention aussi de faire une salle multimédia pour les jeunes. Donc ça, c'est dans un proche futur aussi. Nous allons discuter pendant la clôture du synode comment faire pour rendre les jeunes de notre paroisse heureux et comment faire pour que ces jeunes s'imprègnent de plus en plus dans notre communauté. C'est sur les remerciements du supérieur régional Père Félix Kuaté et les encouragements de l'archevêque de Douala que les fidèles sont repartis déterminés à bâtir leur paroisse. Monseigneur Samuel Cléda made the appeal in his homily on Sunday, September 15, precisely on the 24th Sunday in Ordinary Times, in the parish church, while celebrating a pontifical mass marking his one-day pastoral visit to St. Jude Parish, Ngodibakoko, just as Jesus asks his disciples in Sunday's Gospel who he is, Monseigneur Samuel Cléda called on Christians of St. Jude Parish to ask themselves who Jesus is for them, especially within a contemporary context in which many have invented their own gods and their own versions of Jesus Christ, adoring whatever and whoever. He therefore called on them to make their commitment clear by following Jesus Christ, to recognize him as such and be ready to die for him. He called on them to ask Jesus to help them realize their life projects not according to their own will, but according to God's plan. Monsignor Samuel Cléda asked them to abandon everything and totally attach themselves to Christ by following the path that he traces for them. Matin, midi et soir,
Nous avons à manger. The path of suffering, passion and death, which eventually leads to the path of eternal life and resurrection. Monseigneur Samuel Clara called on them to make themselves a gift to Christ and to the brothers and sisters by renouncing the thoughts of men in their entire life. He expressed regrets that most Christians turn to Jesus only as a last resort and with doubt. He therefore called on the Christians of St. Jude Parish to support the enlargement of the parish church and the construction of a nursery school in the parish. Being a parish run by Xaverian missionaries, one of the Masses concelebrant and Xaverian superior, Reverend Father Felix Kwate, while thanking the parishioners for their commitment, seized the opportunity to welcome the new parish priest, Reverend Father Robert Kowa, calling on them to support their priest, especially those at the beginning of their ministry, like the assistant parish priest, Father Juventus Yanovan, who he said is on his way to join the parochial community. C'est dans l'allégresse que la paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs de Newbel célèbre ce dimanche 15 septembre 2024 sa fête patronale au cours d'une messe solennelle présidée par le curé, l'abbé Pedro Elias Munelli. Occasion pour les paroissiens venus nombreux en uniforme pagne de mieux faire la connaissance de leur saint patron et de lui confier leurs prières. En accord avec l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire année B sur la profession de foi de Pierre, le prédicateur du jour, après avoir relevé l'aspect existentiel de la croix, recommande aux chrétiens de faire confiance à la Vierge des sept douleurs. En général, la souffrance nous brise. La souffrance nous fait penser que nous ne sommes pas aimés de Dieu. Les croix sont multiples. Le célibat, la perte d'un parent, d'un être cher, la pauvreté, la misère, notre caractère, les complexes que nous avons. Dans la difficulté, en portant notre croix, nous ne sommes jamais seuls. Celle qui pleure avec nous, celle qui nous accompagne, celle qui nous encourage à aller jusqu'au bout, même lorsque nous subissons des injustices, c'est Notre-Dame de cette douleur. La bienheureuse Vierge Marie, notre mère, qui a aimé son fils et qui aime tous ceux et celles qui empruntent le chemin de son fils. Chemin d'amour, chemin d'obéissance parfaite au Père, chemin où on a envie de se donner totalement pour la gloire de Dieu. La célébration de cette fête patronale était précédée d'une série d'activités qui a débuté le 7 septembre dernier. Nous avons commencé samedi le 7 avec un investissement humain qui s'est tenu à 7h du matin. Le mercredi qui suivait, nous avons eu ici en paroisse un enseignement sur la croix glorieuse qui s'est bien passée et tous les chrétiens ont répondu présent. Le vendredi, nous avons organisé dans cette paroisse à 16h une neuvaine suivie de la confession. Alors les chrétiens ont eu la possibilité ce jour de se confesser comme d'habitude. Et ce même vendredi, nous avons organisé un grand concert de musique religieuse. Un grand concert qui a vu passer toutes nos chorales de la paroisse. Et vraiment, c'est quelque chose à féliciter puisque depuis des années, on n'a plus jamais eu une telle affluence. Pour marquer les 65 ans d'existence de Notre-Dame des Sept Douleurs de Newbel, les 30 mouvements et les 7 communautés ecclésiales vivantes de la paroisse sont présentés à la communauté. Okay, c'est vrai, je suis content de mes fidèles, je suis content de la paroisse. Et vous avez vu qu'elles mêmes aussi sont contents avec son équipe pastoral, et c'est important que tout le monde de la paroisse se connaisse, parce que c'est une paroisse tellement grande que quelquefois les fidèles ne connaissent pas quelles sont les réalités existantes, les groupes ou les mouvements de notre paroisse. Le fait de les présenter aide à ceux qui peut-être voudraient engager un groupe de reconnaître et y adhérer. Pour mémoire, la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, célébrée tous les 15 septembre, fut étendue à l'église universelle par le pape Pie VII
en 1814 en action de grâce pour la protection de Marie durant la tourmente révolutionnaire.